Bon, bah écoutez, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Ça y est, on a fini les derniers réglages. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, déjà, merci à toutes et tous d'être présents. On est dans ce dernier webinaire qui conclut en fait une série de webinaires qui ont été initiés avec l'équipe de l'Internet Society France. Je remercie particulièrement Lucien qui a œuvré pour que ces webinaires aient lieu. On a traité de différents sujets. On a traité de l'éducation numérique. On avait traité il y a un petit mois un focus très très fort sur le chiffrement. On a parlé aussi de la gouvernance, etc. Et voilà, et c'était important pour l'équipe de l'Internet Society France d'organiser ces différentes rencontres. Et de vous permettre aussi de les voir en replay, surtout après la crise qu'on a vécue, qui était une crise sanitaire, qui l'est toujours, et qui se transforme d'ailleurs en une crise économique. Et du coup, ça me semblait important, vu l'importance d'Internet dans cet épisode, on va dire, qu'on a tous vécu. Ça nous semblait important de nous retrouver sur, de nous retrouver sur différents sujets. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu organiser ces webinaires. Alors, ce dernier webinaire, il est dans un format un petit peu particulier parce qu'il sera en deux parties. Et je vais vous parler d'abord de la deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie du webinaire, il y aura Jennifer Chrétien, qui est la déléguée générale de Renaissance Numérique, Lucien Castex, qui est aujourd'hui représentant pour les affaires publiques de l'AFNIC et coprésident du Forum sur la gouvernance de l'Internet France. Et puis Sébastien Bachelet, qui est président d'honneur de l'Internet Society France. Et Jennifer, Sébastien et Lucien auront à cœur de vous présenter ce que nous envisageons de faire pour le Forum sur la gouvernance de l'Internet France, que nous avons repoussé, donc qui aura lieu le 27 octobre prochain. Je ne vais pas vous dévoiler, mais Jennifer vous en dira plus tout à l'heure. Voilà, nous avons déjà discuté avec le comité d'organisation d'un pré-programme. Et on s'est dit, puisque initialement le FGI France était prévu le 1er juillet, nous l'avons repoussé en raison de la crise sanitaire. Mais on s'est dit, du coup, que c'était bien de maintenir un rendez-vous en juillet où on vous parle de ce FGI qui aura lieu en octobre. Et surtout, on permet d'échanger, d'affiner les thèmes. Peut-être qu'on est passé à côté d'un sujet. Depuis plusieurs années, on a voulu que le FGI France soit un lieu qui sorte un peu des codes ordinaires qu'on trouve dans les FGI. On trouvait que parfois, les sujets étaient un peu redondants ou un peu tournés sur eux-mêmes. Et on a dit un petit peu comment on ouvre tout ça. Pour cette première partie, on souhaitait revenir sur les sujets qui étaient des sujets des standards Internet, des normes internationales, en gros de tout ce qui fait qu'Internet fonctionne. Pour parler de ce sujet-là, je vais accueillir deux spécialistes du sujet à qui je vais demander de se présenter en quelques mots pour commencer. Donc, je vais commencer par Robin Winton de l'Internet Society. Je te laisse te présenter en quelques mots, Robin. Merci bien. Je m'appelle Robin Wilton. Je m'occupe de tout ce qu'il y a de fiabilité en ligne chez l'Internet Society. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille sur les produits de cryptage. Pas tout le temps, mais de temps en temps. D'abord chez IBM, ensuite au sein d'un start-up, puis chez Sun Microsystems et ensuite chez Gartner. Au sein de l'ISOC, je m'occupe du cryptage depuis à peu près un an et demi. D'abord sur le risque que peuvent poser les ordinateurs quantum pour les algorithmes de cryptage, pour le comprendre un peu, pour l'expliquer pour les autres qui sont même moins techniques que moi. Ensuite, je me penche sur tout ce que font les décideurs pour affaiblir ou pour contourner l'accès au cryptage, afin d'avoir accès pour eux-mêmes
l'accès dit exceptionnel aux données chiffrées. Donc voilà un peu ce sur lequel je me penche actuellement. Super, merci beaucoup Robin. Deuxième spécialiste du sujet qui sera avec nous ce soir, Stéphane Bortsmeyer. Je te laisse te présenter en quelques mots, Stéphane, même si beaucoup te connaissent déjà. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Bortsmeyer, je suis ingénieur spécialisé dans les réseaux informatiques, notamment le protocole DNS, et je travaille à l'AFNIC, le registre des noms de domaine en .fr. Donc toutes les fois où vous utilisez un nom en .fr, vous passez par nos machines et nos services. Ok, merci Stéphane. Justement, pour commencer, je voulais te laisser la parole, Stéphane, parce que souvent, quand on parle de normes, quand on parle de normes internationales, quand on parle de standards, on pense à ISO, on pense à RFC, on pense à tous les organismes qui sont autour. C'est un peu un méandre. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous expliquer en quelques mots déjà ce que sont ces normes et ces standards qui font l'Internet, sur quoi on se base en fait? Et puis aussi nous dire quelques mots sur les organismes justement qui organisent ces normes et ces standards. Voilà. En quelques mots, waouh. Bon. Alors, pour qu'un réseau informatique comme l'Internet fonctionne, il faut que tout le monde suive des règles qui soient compatibles. Quand une machine envoie une série de bits dans un message à une autre, il faut qu'il soit formaté d'une certaine façon, avec les champs du message à certains endroits, qui ait une certaine longueur et dont la sémantique soit définie. Ça, c'est ce qui permet l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que une machine puisse parler à une autre. Je peux envoyer un courrier électronique avec Mutt sur ma machine Ubuntu et quelqu'un à l'autre bout qui utilise Outlook sur une machine Windows pourra le lire. L'interopérabilité est le cœur de l'Internet. Sans interopérabilité, il n'y a pas de réseau, tout simplement. Comment est-ce qu'on assure l'interopérabilité? Une des méthodes, c'est d'avoir des protocoles, c'est-à-dire des règles. Un protocole, c'est juste un ensemble de règles qui sont communes. Et pour être sûr que tout le monde les comprend pareil, ces règles, et les exécute, c'est préférable que ces règles soient rédigées, spécifiées. Et pour éviter que quelqu'un n'ait un rôle particulier dans ces règles, c'est pas mal aussi qu'elles soient élaborées de manière collective, coopérative, ouverte également. Et c'est là ce qu'on appelle une norme, normalement. Alors, le mot norme, ça peut faire un peu peur, ça peut faire penser à une loi, et puis si on ne l'applique pas, il y a la police qui vous tombe dessus. Il n'y a pas de police de l'Internet. Il n'y a pas de choses qui sont obligatoires. L'Internet est ce qu'on appelle un réseau sans permission, c'est-à-dire où on peut innover sans passer par le comité machin ou la structure truc ou qui va dire « ouais, non, ça, c'est pas terrible, ça, on ne va pas le faire ». Pour revenir sur l'importance de l'interopérabilité, j'avais pris l'exemple du courrier électronique qui marche bien aujourd'hui entre des machines différentes, avec des logiciels écrits par des personnes différentes et circulant par des opérateurs différents. Mais un contre-exemple, au contraire, c'est celui des messageries instantanées. WhatsApp, Telegram, Signal, tous ces systèmes de messagerie instantanée qui sont très populaires et très pratiques. Là, il n'y a aucune norme, même s'il y a eu des efforts pour faire un protocole qui permette à plusieurs programme de communiquer entre eux. Pour l'instant, c'est des silos isolés, donc ça fonctionne sur l'Internet, tous les systèmes que j'ai cités, mais ça n'exploite pas la capacité de l'Internet à assurer l'interopérabilité. Donc c'est dommage, ça freine l'usage de ces systèmes, ça complique la vie de l'utilisateur. Sur son téléphone, on doit avoir une demi-douzaine de logiciels au moins pour communiquer avec machin qui est sur Signal, Intel qui est sur Telegram, truc qui préfère WeChat. Cette situation n'est pas satisfaisante. D'un autre côté, je l'avais dit, l'Internet est sans permission. Heureusement, il n'y a pas un organisme officiel, il n'y a pas un CSA ou un truc comme ça qui serait chargé de décider qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire sur Internet. Et c'est grâce à ça que l'Internet peut innover. L'exemple typique, c'est le web. Le web n'a pas été créé par un organisme de normalisation. C'est Tim Berners-Lee et Robert Caillot de leur côté qui ont fait un truc. Ils l'ont rédigé, ils ont écrit une première mise en œuvre, ils l'ont publié.
Et Youpi, vous le savez peut-être, le web a été un grand succès depuis. Le web après a été pris par des organismes de normalisation qui se sont chargés de normaliser les formats comme HTML, le protocole comme HTTP. Mais même ça, ce n'est pas un processus obligatoire. Un protocole comme BitTorrent, par exemple, est un système de partage de fichiers très efficace et qui permet d'économiser des ressources Internet en distribuant des contenus sans dépendre de gros serveurs. BitTorrent n'a jamais fait l'objet d'une normalisation formelle et pourtant fonctionne bien, existe, marche. Il y a plusieurs programmes qui interopèrent. Néanmoins, en général, c'est quand même mieux si le protocole est décrit dans une norme et une norme développée par un organisme de normalisation ouvert. Il y en a plusieurs. Rappelez-vous, l'Internet n'a pas de chef, n'a pas de direction. Il n'y a pas un dictateur de l'Internet quelque part qui dirait il faut faire ci ou il faut faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs organisations de normalisation. Alors, je ne vais pas les citer toutes, mais on peut citer l'IETF, le W3C, l'UIT, l'I3E et beaucoup d'autres encore. L'IETF, je vais en parler un petit peu plus parce que je connais, j'y participe, donc je suis un peu plus capable d'en parler intelligemment. C'est l'Internet Engineering Task Force, c'est l'organisation qui fait les protocoles de base de l'Internet, c'est-à-dire tout ce que ne voit pas forcément l'utilisateur, mais qui est indispensable au fonctionnement. J'ai mis l'URL dans le chat. Et l'IETF produit ces textes sous une forme qui s'appelle les RFC. Alors, RFC, il y a très longtemps, ça voulait dire Request for Comments, appel à commentaires. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc, c'est un peu les textes centraux de l'infrastructure de l'Internet. À côté, le W3C, World Wide Web Consortium, s'occupe de ce qui est spécifique au web, et encore pas tout, enfin, des formats du web, donc notamment HTML, qui est derrière la plupart des pages web, mais aussi des tas d'autres normes qui sont reliées au web. Le web, ce n'est pas tout l'Internet, mais c'est un service très important, donc le W3C a un rôle central. Voilà en gros le paysage de l'interopérabilité, des normes, et des organismes qui les établissent. Je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Je vais donc d'ailleurs vous mettre dans le chat un autre article, celui que j'avais écrit pour expliquer ce qu'était l'interopérabilité, qui est au cœur de l'Internet et qui a fait l'objet il y a une semaine ou deux d'un rapport intéressant du Conseil national du numérique qui envisageait la possibilité d'imposer les plateformes ayant un rôle central, un rôle quasi monopolistique, à être interopérables, c'est-à-dire à permettre l'échange de messages avec le monde extérieur pour éviter qu'ils ne s'endorment sur leur monopole. Mais donc, une raison de plus pour laquelle je ne vais pas parler plus, c'est que s'il y a certainement des gens qui auront des choses à dire, des questions, des opinions, des objections, donc allez-y. Si Nicolas est d'accord. Oui, tout à fait. Justement, juste une question pour bien comprendre, c'est quoi la différence entre quelque chose qui se décide à l'ITU, par exemple, et quelque chose qui se décide à l'IETF, si je fais un peu le parallèle entre les deux? Alors, l'UIT, Union Internationale des Télécommunications, est un organisme intergouvernemental. Ça a les avantages et les inconvénients des organismes intergouvernementaux, notamment une certaine lourdeur, et puis des processus de décision qui sont assez opaques, assez loin de ce que peut voir l'utilisateur. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de normes ou de protocoles utilisés dans Internet qui viennent de l'UIT. Une des exceptions qu'on peut citer, c'est par exemple la norme UIT X509, c'est le format des certificats. Donc, toutes les fois où vous voyez le petit cadenas vert à gauche de la barre d'adresse, il y a derrière une norme UIT, mais ça n'est pas extrêmement pertinent sur l'Internet aujourd'hui. L'IETF n'est pas, par contre, une organisation intergouvernementale, c'est une organisation de volontaires. Alors, il y a de tout dedans. Quand j'avais dit que les processus de l'UIT n'étaient pas forcément très lisibles et très accessibles pour monsieur tout le monde, l'IETF non plus, hein, c'est des normes techniques, les gens qui participent sont des ingénieurs, c'est parfois dur à suivre, comme un peu toute organisation humaine. Par contre, toute l'élaboration est faite de manière ouverte, c'est-à-dire qu'à l'IETF, toutes les discussions, tous les brouillons sont
toutes les discussions entre les participants sont publiques, c'est-à-dire que tout le monde peut voir ce qui a été proposé, ce qui a été décidé, pourquoi et par qui. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de chef ou d'autorité. Donc l'IETF n'a pas de statut officiel particulier, hein, si vous ne voulez pas en tenir compte. Allez-y, hein. Mais l'IETF a une autorité purement morale, et cette autorité purement morale s'appuie en grande partie sur cette ouverture, cette transparence qui fait que chacun peut voir ce que fait l'IETF et pourquoi. Et est-ce que ces standards ou dans ces RFC, il n'y a que des choses qui sont très techniques, ou est-ce qu'on a aussi d'autres règles? Je pense qu'aujourd'hui, on parle énormément des notions de régulation, on a parlé de lois sur les contenus haineux, etc. Je ne rentre pas dans le débat sur le fond, mais plus sur de savoir est-ce que ces standards, est-ce que ces normes qu'on trouve à l'intérieur de ces RFC peuvent aussi concerner des sujets qui ne sont pas des sujets techniques, mais qui sont des sujets plus larges liés à Internet. Oui, à l'origine, c'est uniquement technique, à part les fameux RFC du 1er avril qui n'étaient pas toujours techniques. Mais l'Internet aujourd'hui a une importance cruciale dans notre vie. Tu as rappelé son importance pendant la phase de confinement, mais c'était même le cas avant. Donc forcément, tout ce qui se passe sur Internet a des conséquences, donc relève de la politique. Donc il est normal que les discussions ne soient pas strictement techniques. Et l'IETF a déjà dû plusieurs fois prendre position sur des sujets qui étaient d'ordre politique, par exemple pour l'importance du chiffrement et du fait qu'il ne fallait pas essayer de l'affaiblir pour des buts politiques à court terme, sur l'importance de la lutte contre la surveillance massive, et donc de la défense de la vie privée, aussi sur l'importance politique de tout ce qu'on fait. Il y a eu plusieurs RFC là-dessus, de l'IETF ou de l'IRTF, qui est un organisme très proche qui travaille sur des sujets plus à long terme. Donc effectivement, tous les RFC ne sont pas que sur des questions purement techniques. Par exemple, celui qui est sorti il y a 2-3 jours, le 87-99, portait sur la notion de domaine limité, c'est-à-dire de service ou de protocole qui n'aurait un sens que dans un domaine limité au sein d'une organisation, par exemple, qui aurait des règles particulières. L'IETF, traditionnellement, travaillait sur l'Internet public, celui de tout le monde, mais il y a aussi des tas de réseaux connectés à Internet qui ont, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, une politique particulière, et que ça sera intéressant d'intégrer ça aussi dans les normes. Donc le RFC dont j'ai parlé, le 87-99, sorti il y a 2-3 jours, commence à explorer cette question. C'est un document un peu technique, mais pas trop. Il ne spécifie pas une norme ou un protocole, il lance une exploration sur une nouvelle voie. C'est super clair, merci. Merci Stéphane. Alors effectivement, s'il y a des questions, On peut les prendre, hein. Vous pouvez ouvrir le micro si vous souhaitez. Nicolas, excuse-moi, je crois qu'il y en avait une sur le chat de Ijaz. Oui, qui posait la question, le fait que, est-ce que, alors en cas, je vais lire la question telle qu'elle, hein. En cas d'interopérabilité entre WhatsApp, Telegram, Riot et Matrix, par exemple, qui sont des outils de messagerie instantanée, d'éventuelles normes en termes de protection de la vie privée, ne serait-elle pas nivelée par le bas au bénéfice des GAFAM? Mieux vaut peut-être éviter un processus normatif. Alors, je ne comprendrais pas bien la question si je n'avais pas participé aux discussions qui avaient eu lieu, par exemple, au Sénat, où une proposition de loi sur l'interopérabilité avait été déposée, ou au Conseil national du numérique, ce qui a donné lieu au rapport dont Jennifer a mis l'URL dans le chat. Donc, je crois que ça fait allusion à un argument qu'avaient donné les GAFA, justement, contre l'interopérabilité, en disant « Ah, mais si on nous oblige à interopérer avec le reste du monde, en fait, paradoxalement, ça serait mauvais pour la vie privée parce que, par exemple, des données personnelles supplémentaires se retrouveraient chez les GAFA. » Alors, le problème est compliqué. Actuellement, si vous prenez le courrier électronique, par exemple, qui est interopérable et qui marche,
même si vous n'êtes pas client de Gmail, c'est-à-dire si vous n'avez jamais accepté les conditions d'utilisation de Google, une bonne partie de votre courrier est quand même chez Gmail, parce que c'est celui de vos correspondants, les gens à qui vous écrivez ou dont vous recevez les messages. C'est pas satisfaisant, mais la seule façon d'empêcher ça, c'est sur son serveur de messagerie de couper l'accès à Gmail. Tous les logiciels permettent de faire ça. Inutile de dire que peu de gens le font, parce que pour se couper complètement de tous les gens qui sont chez Gmail, chez Outlook, chez les autres, ça serait une position assez radicale. Mais si on ne veut pas que son courrier se retrouve chez les GAFA, c'est la seule solution. Pour les autres protocoles, c'est pareil. Si on ne veut pas envoyer des messages à Twitter ou à Facebook, eh ben on coupe l'accès ou bien on choisit de ne pas avoir de relation chez ces gens-là. Le fait d'imposer que l'interopérabilité soit possible ne veut pas dire qu'on sera ensuite obligé de l'utiliser de la même façon que c'est un peu le cas de toutes les libertés. C'est pas parce qu'une liberté existe qu'on est obligé de l'utiliser. Donc là, ça me paraît vraiment un faux argument. Si c'était vraiment dans l'intérêt des GAFA qu'il y a interopérabilité, si ça leur permettait vraiment de récolter davantage de données personnelles, ce qui les fait vibrer dans la vie, si vraiment ça leur permettait de récolter davantage de données personnelles, mais ils l'auraient déjà fait. Ils auraient déjà fait une interopérabilité. S'ils ne l'ont pas fait, c'est justement parce que ça ne les arrange pas. Le Conseil national du numérique avait fait une session à l'occasion de la sortie de son rapport. Il y avait eu un représentant d'un de ces GAFA, justement, qui avait dit qu'il était contre l'interopérabilité, qu'il était contre une réglementation contraignante. Ce qui est amusant, parce qu'une réglementation, par définition, c'est contraignant. Et justement, et juste pour finir sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est juste un sujet, un point d'orgue intéressant, pourquoi un service si utilisé que les messageries instantanées, parce qu'en fait, ça partait, bon, avant on avait les SMS, après chaque constructeur a fait ses propres protocoles avec plus ou moins de succès. Il y a eu des choses chez BlackBerry, chez Android, il y a toujours les e-messages chez iOS, et puis il y a maintenant les WhatsApp, les Riot, etc. Pourquoi un service qui s'est autant développé n'a pas réussi à être normalisé, alors qu'à côté, un service aussi grand public que le web a réussi à l'être? Comment tu analyses c'est finalement un échec des techniciens, un échec de l'IETF de ne pas avoir réussi à normaliser ça, ou alors c'est juste qu'on a été dépassé et que ces protocoles ont finalement existé sans normes ou sur les normes existantes? Alors, l'IETF a une norme pour les messageries instantanées qui s'appelle XMPP, oui, c'est connu sous son ancien nom de Jabber, ouais. Et ce qui n'a pas été un succès. Toujours se rappeler que l'Internet n'a pas de chef. L'IETF propose, après les gens adoptent ou ils n'adoptent pas, on ne peut pas les forcer, heureusement encore d'ailleurs. Heureusement que l'IETF n'a pas les moyens de forcer. Donc c'est un échec au sens commercial du terme, ça n'a pas été largement utilisé. Pour quelles raisons, pour le courrier électronique, pour le web, ça a marché? Il y a sans doute beaucoup une histoire de timing, sortir au bon moment, à un moment où les forces en faveur de l'interopérabilité sont plus fortes. Le courrier électronique, à une époque, n'avait pas d'interopérabilité. Les gens qui ont mon âge se souviennent bien de l'époque où on avait plusieurs messageries opposées, y compris chez un même constructeur. Et je me souviens encore, c'était il y a très longtemps, d'un commercial d'une société qui vendait un produit de messagerie, qui avait des passerelles vers différents produits de messagerie, notamment vers deux produits d'IBM incompatibles entre eux. Et leur gros argument de vente, c'était « avec notre solution de messagerie, vos deux messageries IBM vont pouvoir communiquer ». Ça donne une idée de quel était l'état de la messagerie à cette époque. Et donc ça, la lutte a fini par être un succès, parce que l'Internet est un champ de bataille, ou pour prendre une comparaison moins militaire, c'est un terrain de sport où il y a plusieurs équipes et chacune essaie de gagner. Donc les GAFA essayent d'enfermer les utilisateurs dans des silos. Certains, par exemple, avaient des ouvertures. Google avait un système de messagerie qui était compatible avec XMPP. Ouais. Microsoft. Facebook aussi, avec Messenger, qui était XMPP à une époque et qui a été retiré après. Donc, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde de lutte, de tension, avec des intérêts financiers énormes. C'est la contrepartie du succès de l'Internet, c'est que maintenant, chaque décision qui est prise
par l'IETF, par Google, par Orange, par n'importe quel autre, par l'ICANN, par n'importe quel autre acteur, va se traduire par des déplacements financiers considérables. Et donc, chacun va essayer, non pas de faire le bonheur de l'humanité, mais de défendre son propre intérêt. C'est d'ailleurs ça qui justifie qu'on se pose la question d'imposer l'interopérabilité par une réglementation. C'est que le libre jeu du marché ne produit pas forcément de bons résultats. Et j'avais une dernière question, et avant de passer la parole à Robin ou de prendre de nouvelles questions sur le chat, est-ce que, tu m'as déjà un peu répondu en préparant, mais je te repose quand même la question, c'est, on a vu que dans cette crise, on a beaucoup parlé de la résilience d'Internet. Donc en fait, il y a tous ceux pour faire beaucoup de presse qui ont écrit avant que Internet n'allait pas marcher, etc., que ça allait être une catastrophe. Bon, pas de peau, Internet a bien fonctionné. Et est-ce que justement tous les socles, toutes les normes, tous ces standards participent de cette résilience, ou alors est-ce que c'est juste un problème de puissance et que finalement on ajoute des tuyaux, on ajoute des serveurs, ça fonctionne. La puissance qu'on a mis dans la façon de faire ces normes participe de cette résilience? Oui, alors je pense que la robustesse de l'Internet s'appuie en partie sur des choix techniques corrects qui avaient été effectués il y a longtemps et qui ne venaient pas tellement de l'idée de résister à la guerre nucléaire. Ça, c'est joli comme histoire, mais c'est sans doute largement faux, mais qui venaient de l'idée de pouvoir faire un réseau qui exploite au mieux les ressources matérielles toujours limitées. Alors, deux exemples de ces choix techniques qui ont eu un rôle, je pense, dans la robustesse de l'Internet. Bah, le choix de faire un service de datagramme au cœur de l'Internet, c'est-à-dire pas un système où on alloue des circuits connectés permanents qui vont obliger chaque routeur à garder un état, une mémoire de milliers, de millions de connexions en même temps, ce qui fait que un tel système reposant sur des connexions ne tiendrait pas quand la charge augmente et casserait brusquement, alors qu'un système fondé sur des datagrammes, c'est-à-dire où chaque paquet passe indépendamment des autres et où les routeurs n'ont pas besoin d'état, n'ont pas besoin de mémoire, un tel système supporte beaucoup plus facilement la charge, et quand il se dégrade, parce que la charge est quand même trop importante, il se dégrade progressivement au lieu de s'écrouler d'un seul coup. Donc ça, c'est une propriété importante. Il n'y a évidemment pas de miracle. Quand vous avez un lien à 1 gigabit par seconde, bah, vous faites passer au maximum 1 gigabit en une seconde, ça c'est sûr, mais au moins ça ne s'écroule pas avant par manque de ressources, par exemple de mémoire dans les routeurs. Donc ça, c'était un premier choix important de l'Internet. Un autre choix important, ça avait été le protocole DNS, qui est un protocole décentralisé, comme beaucoup de choses sur Internet, donc qui ne repose pas sur un point unique susceptible de défaillir. Des points ponctuels de l'Internet peuvent tomber en panne, mais les services de base de l'Internet, eux, fonctionnent toujours. Cette décentralisation, elle est au cœur de l'Internet et elle a bien montré ses capacités, justement, lors de l'augmentation un peu plus rapide que d'habitude du trafic qu'on a eu pendant le confinement, où il n'y a eu aucun problème malgré certaines déclarations sensationnalistes au début. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, si vous avez des questions pour Stéphane, vous n'hésitez pas. On est un peu plus d'une vingtaine là, à être connectés dans ce webinaire. Il y a déjà eu quelques questions. Et puis, nous diffusons également sur quelques grands réseaux de GAFAM. Et nous enregistrons aussi pour le replay. Je voulais maintenant passer la parole à Robin de l'Internet Society. Robin, quand tu t'es présenté, tu nous as rappelé l'importance de ton travail sur la partie chiffrement, justement. J'ai l'impression que c'est un sujet qui était un peu au cœur, qui a été en tout cas mis en lumière pendant cette crise et pendant ce confinement. On a eu un moment où, du coup, on a eu énormément recours au télétravail. Il y a eu beaucoup de questions, d'ailleurs, ça m'intéresserait de t'entendre sur ce sujet, mais liées à la sécurité
autour du télétravail. Et du coup, il me semble que la question du chiffrement est au cœur. Et on a vu, par exemple, pour un exemple, parce que on l'utilise beaucoup dans les communautés Internet, l'exemple de Zoom, par exemple, qui a fait couler énormément d'encre, parce que finalement, on a dit, bon, Zoom annonce qu'il est crypté, mais en fait, il est pas crypté. Puis on se rend compte que finalement, il y a plein d'autres outils qui ne l'étaient pas non plus. Puis finalement, ils ont fait le cryptement de bout en bout. Enfin voilà, il y a eu des exemples un peu comme ça. Et justement, je me posais la question de c'est quoi l'importance aujourd'hui du chiffrement sur Internet? C'est quoi l'importance du chiffrement justement dans ce genre de cas? Et c'est quoi l'importance pour la sécurité des entreprises? Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, aucune pression en suivant Stéphane. Oui, vous avez raison, à mon avis. Et ça revient un tout petit peu à la question qui a été mise dans le chat. La question d'interopérabilité entre différents systèmes de messagerie. Parce que lorsque la plupart des gens se servent de webmail, ils ne sont peut-être pas conscients que ce n'est pas par défaut crypté de bout en bout. Si c'est crypté du tout, c'est entre le client et le serveur, puis tout le contenu est en clair en attendant sur le serveur, et puis lorsqu'on le récupère, si on le récupère à travers HTTPS, c'est crypté pendant que c'est en transit. Donc là, il y a un niveau d'interopérabilité assez haut, puisque c'est du webmail. Mais en revanche, on a le risque que tous les emails sont en clair sur le serveur. Si on veut avoir des emails cryptés de bout en bout, il faut se servir, par exemple, d'un client de courriel qui est capable de chiffrer déchiffrer les emails, tels que, par exemple, dans mon cas, j'utilise le app Mail de Apple, mais avec un plugin pour le cryptage, un plugin de PGP. Donc là, j'ai une infrastructure de courriel interopérable, puisque c'est un client Apple. Dans mon cas, la messagerie, c'est Outlook. Mais si je veux crypter les contenus, il me faut un plugin. Et il faut que ce plugin soit compatible avec les plugins de déchiffrement de celui qui reçoit mes emails. Donc, il y a les différents niveaux d'interopérabilité là, dont certains fournissent l'interopérabilité des différents systèmes de messagerie et d'autres de l'interopérabilité du cryptage et du décryptage. Dans le contexte de l'isolement du COVID, nous avons tous mis toute la vie en ligne, il me semble. Le boulot, les courses, les entretiens familiaux, les finances, encore plus qu'avant. Et pourtant, comme l'a dit Stéphane, l'Internet, ça a marché. L'Internet ne s'est pas cassé malgré toute cette activité inattendue. Donc, moi, je pars du principe que le cryptage protège notre vie privée, ça protège notre vie personnelle, ça protège notre vie quotidienne. Le chiffrement de bout en bout est bon pour la société. C'est mon principe de base. C'est à la fois mon avis personnel à moi, mais je crois que c'est aussi l'avis que partage l'ISOC.
Oui, donc j'avais préparé quelques autres remarques sur le chiffrement dans le contexte de COVID, mais je voulais aussi voir s'il y a des questions à partir de ces remarques préfatoires. tu peux continuer si tu veux et je vois s'il y a des questions sur le chat que je peux te poser après, mais tu peux garder la parole. D'accord, très bien, merci. Donc dans le contexte du COVID, je vois à peu près 3 applications clés pour le cryptage, dont 2 sont assez directes et la troisième un peu plus indirecte. Donc j'ai déjà décrit un peu la première application, c'est de protéger notre vie en ligne. La deuxième application directe, c'est pour le chiffrement, tout simple, des données de caractère personnel et sensible. Parce que pour répondre à la pandémie actuelle et les pandémies à venir, on aura recours à des échanges de données à grande échelle, par-delà des frontières nationales, et on prendra à base de ces données des décisions très importantes pour l'individu. Il s'agira par exemple est-ce que l'individu a le droit de travailler, de voyager, même de sortir de chez soi. Donc, à cette grande échelle, est-ce que les contrôles de nature exclusivement procédurale suffiront pour éviter les pertes, voire des vols de données personnelles? Je m'en doute. Les deux aspects sont inextricablement liés. Les mesures techniques et les mesures de procédure pour protéger les données personnelles. Donc, à mon avis, il faudra non seulement le cryptage, mais aussi un design technique et une gestion scrupuleuse d'accès aux clés pour rendre plus difficiles les vols et moins endommageantes les pertes de données. La troisième application que je prévois, c'est celle de soutenir l'attestation d'attributs de façon fiable. Par exemple, pour que l'individu puisse démontrer un statut par rapport à l'immunisation ou à une vaccination éventuelle si on en développe. Or, attester un attribut quelconque de façon fiable, ce n'est pas forcément difficile au niveau purement technique, mais il faut toute une infrastructure de soutien pour assurer l'attribut, pour l'encapsuler en forme numérique, vérifiable, sous un sceau de sécurité, et pour gérer, par exemple, des annulations ou les mises à jour de statut. Donc, si on regarde ce qui est déjà fait dans le domaine de l'identité numérique, d'un côté, et de l'infrastructure à clé publique de l'autre, on peut constater que pour affronter ces défis, on peut constater qu'ils sont ni simples ni contournables si l'on souhaite se fier aux résultats. Donc, je crois qu'il y a tout un travail à faire si on veut faire des attestations d'attributs par rapport aux santé, aux vaccinations, à l'immunisation, dans le cas échéant de futures pandémies. Donc voilà un peu mes pensées sur le COVID et le cryptage. Super. Merci Robin. Il y a une question de Didier sur le chat. Alors je ne suis pas sûr de la comprendre jusqu'au bout. Peut-être que Stéphane, tu la comprendras mieux que moi. Donc Stéphane, tu as dit qu'on n'était pas au pays des bisounours. Je sais que tu aimes bien dire ça, même si tu as toujours des t-shirts particulier. Peut-être Didier, tu veux poser ta question en live du coup ? Non, simplement, je voulais savoir s'il y avait une connaissance de litige entre les différents opérateurs
Est-ce que éventuellement, parce qu'on entend très très peu parler de ça, il y a visiblement des intérêts divergents. Donc, s'il y a des intérêts divergents, il doit y avoir des conflits. Et est-ce qu'on en a vraiment connaissance? Et si oui, comment est-ce qu'ils sont résolus? Et conflits entre qui et qui? Entre quelques intervenants que ce soit. Alors oui, oui, tout le temps. Conflit ou tension, enfin on peut utiliser des mots plus ou moins gentils. En anglais, on dit, quand on veut pas dire fight, on dit tussle, ce qui est plus mignon. Ou en français, on peut dire des tensions, des désaccords, tout le temps. Ben, c'est normal, hein, c'est des relations. C'est pour ça qu'on a besoin de politique aussi dans l'Internet. C'est parce que quand il y a des gens qui ont des intérêts et des opinions différentes, ben, soit c'est la guerre et c'est le plus fort qui gagne, soit on fait de la politique pour essayer d'arriver à une décision qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui permettra qu'on ne s'extermine pas les uns les autres. Et en plus, pour l'Internet, l'équivalent de l'extermination, ça serait qu'on arrête le réseau. Le réseau, par définition, on ne peut pas en faire tout seul. Il faut le faire avec les autres. Or, comme le dit le petit Nicolas dans le bouquin de Sempé et Goscinny en parlant de la cour de récréation, soit on joue tout seul et on s'ennuie, soit on joue avec les autres et ils font des histoires. Donc ici, pour les conflits entre opérateurs, ben, un exemple fameux, c'est tous les problèmes d'appairage qui se produisent. Ce qui fait l'Internet, alors c'est les opérateurs différents, c'est le fait qu'ils se connectent entre eux par un mécanisme qu'on appelle l'appairage. Ils se connectent entre pairs, P-A-I-R. Et régulièrement, il y a un opérateur qui ne veut pas, qui dit « Non, toi, tu es trop petit, toi, tu ne me plais pas, je ne vais pas m'appairer avec toi. » Le trafic peut parfois passer par un autre endroit et parfois pas. Et ce genre de conflit est très fréquent. Le plus fameux, c'est celui... par exemple, qui est récurrent depuis des années entre Cogent et Yorken Electric, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes abonné à Free, donc qui n'a comme opérateur derrière que Cogent, vous ne pouvez pas voir les gens qui sont connectés via Yorken Electric, des problèmes comme ça. J'ai mis dans le chat l'URL d'une des innombrables discussions sur les réseaux sociaux à ce sujet. Il n'y a pas d'autorité de régulation de l'Internet. Hein. Donc, personne ne peut dire à Cogent et à Hurricane Electric, vous arrêtez, puis vous appairez. Bon, en plus, dans les deux, il y en a un qui le veut et l'autre qui ne veut pas. C'est ça le problème. Mais personne ne peut forcer. Il n'y a pas de mécanisme comme ça. Les mécanismes du marché ne fonctionnent pas parce que je vois mal, par exemple, un abonné de Free quitter Free uniquement pour cette raison que, à suite d'un conflit qui est situé après Free, qui est situé chez un fournisseur de Free, il ne peut pas voir certains sites ou mal. Donc, les mécanismes du marché ne fonctionnent pas, il n'y a pas de mécanisme de régulation pour ça, donc ça peut encore durer longtemps. Ça, c'est un conflit qui oppose deux opérateurs. Il y a aussi des conflits qui opposent les opérateurs plus ou moins collectivement à d'autres acteurs. Un exemple typique, puisque Robin a parlé du chiffrement, c'est la question du chiffrement. Il y a 3 ans, au FIC, au Forum international de la cybersécurité, qui se tient tous les ans à Lille, il y avait dans une réunion ouverte, donc c'est pour ça que je n'hésite pas à en parler ici, c'était public, un représentant d'un gros opérateur français, dont je ne dirai pas le nom, mais ça commence par une voyelle, un représentant d'un gros opérateur français qui a déploré qu'à cause du chiffrement, seuls les GAFA pouvaient voir le trafic et eux ne pouvaient plus le voir. Et il en était fort marri. Donc ça illustre c'est un vrai problème, hein, le chiffrement des communications, effectivement, va priver certains de l'accès à l'information, c'est bien le but d'ailleurs, si on chiffre, c'est bien pour ça, et donc ça va déplacer le pouvoir de l'un vers l'autre. Et puis après, on peut citer tous les exemples autour de la neutralité du réseau, des opérateurs qui demandent à être payés à la fois par leurs clients, vous, moi, monsieur tout le monde, et par les fournisseurs de services. Ça, ces tensions sont la vie normale de l'Internet. Il n'y a pas de dictateur de l'Internet qui pourrait sonner la fin de la récréation et dire « toi, tu vas au coin, tu n'as pas été sage, et toi, tu rends son cartable à un tel ». D'ailleurs, s'il y avait un tel dictateur, ça serait pire, hein, parce qu'il pourrait prendre des mauvaises décisions. Donc, je crois que ça peut encore durer longtemps, d'autant plus qu'une bonne partie de ces tensions ne sont pas clairement visible à l'utilisateur. Les expliquer, c'est compliqué, il faudrait du temps, il faudrait comprendre comment marche Internet. Au moment d'un grand conflit qu'il y avait eu entre Level 3, c'était Level 3 et Cogent ? Non, Level 3 et Comcast. Il y a plusieurs années aux États-Unis, il y avait eu un conflit très long entre Level 3 et Comcast.
où l'un des participants, je crois que c'était Level 3, avait même fait une vidéo, un dessin animé en vidéo pour expliquer sa position et pour se moquer de Comcast. Je me souviens qu'il y avait un nounours dans le dessin animé qui répétait tout le temps « c'est pas juste, c'est pas juste !» pour se moquer des arguments de l'autre partie. Donc, il y a aussi, c'est une des raisons qui fait que c'est difficile d'expliquer ces tensions, c'est que l'information que reçoit M. Michu est aussi d'ailleurs dans une pas forcément M. Michu, aussi des dirigeants politiques, des journalistes, c'est souvent une information qui est portée par l'une des deux parties et qui, est donc, qui mérite donc d'être prise avec quelques pincettes. Merci Stéphane. Comme le temps nous est légèrement compté, parce qu'après je me suis un peu tapé sur les doigts, je voulais vous poser une question à tous les deux. Après cette crise, après ce confinement, on est encore dans la crise, il y a beaucoup de choses qu'on remet en cause. On voit qu'on parle beaucoup plus d'écologie, de sobriété numérique. On remet en cause aussi nos façons de travailler. Certaines personnes choisissent d'habiter ailleurs. On voit que ça a créé des changements un peu dans la vie, ou des envies différentes, où on s'est rendu compte de choses différentes. Et du coup, je me demandais à tous les deux, à Stéphane et à Robin, chacun votre tour, si vous vous disiez qu'après cet épisode, il y a une norme qui nous manquait, ou il y a quelque chose qu'on devrait absolument renforcer, qu'est-ce qui nous manquerait, et notamment qu'est-ce qui nous manquerait pour attaquer plus sereinement un épisode prochain, parce que tout le monde nous dit, bon, peut-être qu'il va y avoir une deuxième vague ou troisième vague, j'en sais rien, mais en tout cas, on nous a même dit, vous allez peut-être vivre ça une fois par an, etc. Enfin, en tout cas, on sait qu'on vit dans un monde où ce qu'on a vécu peut se reproduire. Et du coup, peut-être que vous n'en avez pas, mais est-ce que vous vous dites, il y a un truc qui nous a manqué quand même et ce truc-là, si on l'avait normalisé ou si on l'avait renforcé, eh ben, ça aurait marché. Et peut-être faut qu'on le fasse avant la prochaine fois. Alors, c'est difficile, évidemment, parce que le problème lié à l'épidémie et au confinement était en partie imprévu. On ne peut pas non plus prévoir tous les cas. Moi, je dirais que personnellement, le truc qui manque le plus à l'Internet aujourd'hui pour lui permettre de tenir dans une prochaine crise, c'est qu'il faudrait davantage de pair à pair. Il faudrait davantage de communication en pair à pair. En écologie, on parle souvent de au-dessus de la moitié de la planète, et bien c'est pareil pour Internet. Si on s'inquiète de l'utilisation d'Internet, il faudrait encourager les communications le plus locales possible, ce qui passe par les points d'échange notamment. Il n'est pas normal que quand je communique avec mon voisin de palier, ça passe par Francfort et Londres. Et ça nécessite aussi davantage d'utilisation. Je crois que ça coupe un peu. Si je résume ce qu'a dit Stéphane. Attends, normalement, ça passe à nouveau, là. Alors c'est là, bon, ça va. J'allais résumer en disant que tu voulais préconiser le circuit court pour Internet. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez, là? Parce que moi, j'ai le bouton qui continue à clignoter. On t'entend. OK. Très bien. Voilà. Et alors justement, bonne illustration du problème. Le pair à pair, c'est aussi ce qui permet de communiquer avec les gens proches et d'éviter de dépendre de gros serveurs centralisés. Un exemple typique pendant le confinement, ce qui a craqué, c'est les serveurs liés à l'éducation, comme ceux du Centre national d'enseignement à distance, du CNED, qui n'arrivait pas à distribuer son contenu. C'est typiquement le genre de contenu qui aurait dû être distribué par des systèmes en pair à pair comme BitTorrent, plutôt que par un serveur unique qui forcément allait s'écrouler sous la charge avec tous les gens qui se précipitaient dessus en même temps. Donc, voilà, ce sur quoi on peut travailler maintenant, c'est davantage de pair à pair dans l'Internet, c'est vraiment ce qui manque. Merci Stéphane. Et Robin ? Est-ce que tu es toujours là, Robin ? Oui,
Oui, je suis toujours là. Oui. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane qu'il faut plus d'appli pair à pair. J'attends depuis longtemps le contre-coup contre les applications trop centralisées. Parce qu'il me paraît que la centralisation est l'une des menaces les plus importantes à la vie privée. Donc, c'est, oui, moi j'attends ce contre-coup depuis longtemps, mais avec un peu trop d'optimisme, il me paraît. Pour ce qui concerne la prochaine vague, je crois que la leçon que j'en tire, c'est qu'il ne faut pas trop s'appuyer ou s'appuyer uniquement sur la technologie pour résoudre les problèmes sociaux et politiques. Surtout chez nous, ici en Angleterre, on a l'impression que nous avons des décideurs qui croient que n'importe quel problème peut se résoudre avec un peu de technologie magique, comme ça, sans beaucoup de travail, sans beaucoup d'efforts. Et je crois que c'est faux. J'ai parlé un tout petit peu de cette application de chiffrement pour soutenir les attestations d'attributs. À cet égard, je crois qu'il faut se méfier à la fois de conséquences imprévues et d'incitations perverses. C'est-à-dire, si moi je suis obligé de montrer que je suis vacciné ou que je suis immune pour travailler ou pour sortir ou pour voyager, ça peut me donner une incitation perverse à me faire infecter ou à prendre à piquer l'attestation de quelqu'un qui le mérite. ça reproduit des problèmes déjà connus, par exemple pour la vérification d'âge. Donc, ce sont des problèmes de type connu, mais de type pas facile à résoudre. Et je ne veux pas voir dans 6 mois des approches basé sur les mêmes fautes qu'on a déjà fait avec vérification d'âge, avec d'autres attestations dites fiables. Ok. Merci Robin. Il y a une question sur le chat, peut-être pour Stéphane. Une question qui est, donc je vais la lire pour ceux qui ne sont pas connectés par GoToMeeting. La question est, en ce qui concerne les serveurs de courriel, j'ai lu que la concentration engendrée par les GAFAM rend de plus en plus compliqué la mise sur pied et la survie de serveurs privés, y compris parce que les géants du web bloqueraient les serveurs indépendants, raison pour laquelle un projet comme Lightmatter a été lancé. Avez-vous connaissance de ces blocages et comment sont-ils mis en œuvre ? Alors, sur ce problème-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, une plaie du courrier électronique, c'est le spam. Tout le monde déploie des mesures anti-spam, plus ou moins efficaces, plus ou moins intelligentes. Et ces mesures ont parfois des effets néfastes. Comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires négatifs. Les fournisseurs de solutions anti-spam disent toujours que leur solution n'a pas de faux positifs, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'innocents qui soient victimes. C'est de la blague. Évidemment, tout médicament a des effets secondaires négatifs. Une solution magique, miracle, qui marcherait dans tous les cas, ça n'existe pas. Donc, il y a des problèmes. Un des problèmes, c'est qu'effectivement, ça rend la gestion d'un serveur de courrier plus compliqué que ça ne l'était. Il y a 30 ans, quand je donnais des cours sur l'administration d'un serveur de courrier, je ne parlais pas du spam. Ça donne une idée de l'époque. Aujourd'hui, les 95% du cours, c'est consacré au spam, à la lutte anti-spam. Comment faire en sorte que vos messages passent sans que ceux des spammeurs ne passent ? Donc, c'est compliqué. De toute façon,
Par ailleurs, les GAFAM ne font pas forcément preuve de bonne volonté. Si on dit à Microsoft, il y a Outlook.com, « Ah, mais votre solution, elle a comme effet de supprimer les petits serveurs », ils n'en ont rien à cirer. Je ne pense pas, je ne suis pas dans la vision paranoïaque de croire qu'ils le font exprès pour supprimer les petits serveurs. Je gère plusieurs petits serveurs de messagerie, j'échange du courrier avec des gens qui sont chez Outlook.com, chez Gmail, ça fonctionne. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un choix d'éliminer les petits serveurs, c'est plutôt ils s'en moquent des dégâts collatéraux. Ils bombardent les spammers, et s'il y a quelques civils qui sont tués, c'est pas vraiment leur problème. c'est pas spécifique aux GAFAM, d'ailleurs. L'un des pires services en matière de blocage, de filtrage et d'absence de réponse, c'est en France, c'est la Poste. La Poste.net, c'est l'enfer pour leur envoyer un message, et on n'arrive jamais à trouver quelqu'un avec qui parler, c'est encore pire que Gmail. Encore pire qu'Outlook, parce que Gmail, justement, ça fonctionne à peu près, il y a des règles à peu près connues, qui changent tout le temps, mais il y en a à peu près. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de gérer un petit serveur de courrier, ça tend à devenir plus compliqué chaque année, parce que les spammers se perfectionnent, donc les mesures les contre-mesures deviennent de plus en plus contraignantes, donc c'est sûr que c'est pénible, mais je ne crois pas que ça soit une volonté délibérée d'éliminer les petits serveurs. On est simplement victime de... comme dit le proverbe chinois, que les éléphants se battent ou qu'ils font face l'amour, c'est toujours les fourmis qui trinquent. puisque tu as la parole, Stéphane, je voulais juste te donner le mot de la fin de cette première partie pour te demander qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on a vu, c'est un peu... L'IETF, c'est un peu technique, c'est un peu... Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est utilisateur d'Internet pour... Comment on peut contribuer? Comment on peut agir Qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à certaines choses et qu'est-ce qui est accessible, en fait? Alors, je vais commencer par le plus difficile et puis aller vers le plus facile après. Le plus difficile, c'est certainement de participer activement à l'IETF. Il y a un très bon document pour les débutants qui s'appelle le TAO, qui est fait avec beaucoup d'humour. Encore que la vogue du politiquement correct fait qu'une bonne partie des blagues qui étaient dedans ont été retirées maintenant. C'est moins drôle maintenant. Mais ça explique bien comment participer. Mais c'est clair que, quels que soient les efforts de l'IETF pour encourager la participation, c'est très technique d'abord. On est supposé connaître des tas de choses avant, des tas de règles. C'est un peu comme tout groupe humain. Hein. Quand vous voulez vous joindre à un groupe humain, il va falloir apprendre des règles, un langage, des tabous, des trucs qu'on peut faire et qu'on peut pas faire, des choses comme ça. L'IETF, c'est pareil, mais ça fait quand même beaucoup de choses à apprendre, donc y participer, j'encourage à le faire. Par exemple, je constate qu'aux réunions de l'IETF, les Français participent pas mal, mais c'est très inégalement réparti. Orange participe énormément, il y a beaucoup de gens d'Orange. Le monde universitaire aussi, on en voit pas mal. L'AFNIC participe. Mais par contre, d'autres acteurs importants de l'informatique ou des réseaux sont en France, sont complètement absents de l'IETF. Ceux-là, ils ont moins d'excuses que Monsieur Tout-le-Monde. Après, si pour une raison ou pour une autre, c'est trop compliqué ou trop chronophage de participer à l'IETF, les autres solutions sont plutôt dans des organisations moins strictement techniques, l'ISOC par exemple, le Forum de la gouvernance de l'Internet, des choses comme ça où il y a des discussions où tout le monde contribue à faire évoluer l'Internet. En fait, il ne faudrait pas croire que tout dépend de l'IETF et que du moment qu'on a du pouvoir à l'IETF, hop, on va pouvoir faire évoluer l'Internet. On m'avait raconté une fois qu'un représentant d'un gouvernement était venu à une réunion IETF par curiosité, une bonne idée, sauf qu'il était persuadé que une fois qu'il intriguerait, il réussirait à avoir un poste important à l'IETF et que de là, il pourrait faire des normes qui s'imposeraient après à tout le monde et qui pourraient piloter l'Internet comme ça. Ça, c'était des illusions. Donc, il y a plein de centres de pouvoir et d'action dans l'Internet. J'avais cité l'exemple de BitTorrent, qui n'est pas du tout passé par l'IETF. On était plutôt dans la duocracy, c'est-à-dire le fait que c'est les gens qui font, qui dirigent, en l'occurrence les gens qui ont conçu et réalisé les premières mises en œuvre de BitTorrent. J'avais cité l'exemple de Tim Berners-Lee et de Robert Caillot inventant le web. Pour les gens qui ne sont pas informaticiens, pas programmeurs, il y a aussi des tas d'autres possibilités dans dans le domaine de l'action politique,
aussi longtemps que de participer à l'IETF, la documentation, la formation, tout ce qui est la lutte contre l'électronisme, enfin la lutte pour la littératie numérique, c'est-à-dire pour que tout le monde maîtrise l'Internet, pas seulement au sens sache se connecter à Gmail et envoyer un mail, ça tout le monde sait faire, mais au sens comprenne ce qu'il y a derrière. Par exemple, comprenne, pourquoi c'est une mauvaise idée quand on est webmestre d'avoir un bouton connectez-vous via Twitter, quand on voit ce qui est arrivé à la base d'utilisateurs de Twitter hier. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut comprendre. Et puis, voilà, Robin a donné un exemple dans le chat, on pourrait en donner plusieurs autres. Donc, il y a du travail pour tout le monde et pour tous les genres d'individus. Merci, merci Stéphane. Robin, tu veux dire un petit mot pour conclure aussi ? Juste tout simplement remercier le chapitre de m'avoir invité à participer à cet entretien. Comme vous avez sans doute entendu, je n'ai pas l'habitude de parler en français comme ça, mais c'était pratique. Merci, un grand merci pour le temps et pour l'effort. Vous pouvez vous rester bien sûr avec nous. Je vais passer la parole à Jennifer Chrétien qui anime cette séquence avec moi, Jennifer, qui est la déléguée générale de Renaissance Numérique, et à qui je passe la parole pour cette deuxième partie sur le prochain FGI France. Merci Nicolas, et merci à Stéphane et Robin. C'est vrai qu'une heure, c'est un petit peu court, on aurait bien poursuivi le débat, mais c'est une bonne préannonce du FGI France, donc du Forum sur la gouvernance France, qui se tiendra le 27 octobre. Donc j'ai la charge de présenter le programme qui est en discussion avec l'ensemble du comité d'organisation, dont Lucien et Sébastien qui vont m'épauler dans cette présentation. Donc il nous reste une petite vingtaine de minutes. Donc on va essayer de la rendre interactive, mais l'idée est qu'on poursuive les échanges, puisqu'en fait l'idée est de monter le programme cet été pour pouvoir vous le présenter à la rentrée. Finalement, le débat précédent a été une belle introduction, et notamment sur le sujet de la gouvernance. Qu'est-ce que le forum de la gouvernance sur l'Internet, le forum sur la gouvernance de l'Internet? Bon, je pense qu'au vu du public qui participe aujourd'hui, un certain nombre de personnes savent déjà ce qu'est le forum. Finalement, le forum français est une déclinaison d'un forum international qui est rattaché auprès des Nations Unies, et qui a vocation à réunir une fois par an l'ensemble des parties prenantes de l'Internet. Donc, quand on parle des parties prenantes de l'Internet, ça recoupe à la fois la communauté technique, à la fois la société civile de l'Internet, à la fois les autorités publiques et les autorités internationales, et les instances internationales, notamment comme l'ONU, et le monde académique. Et ce rendez-vous a vraiment vocation à avoir un débat horizontal entre toutes les parties prenantes sur les principaux enjeux que revêt la gouvernance de l'Internet en 2020, en 2019, en fonction des années. Cette année a une connotation assez particulière au vu de la crise qu'on vient de traverser. La réflexion qu'on a eue au sein du groupe de travail a été double. La première a été comment finalement le forum de la gouvernance de l'Internet sur la gouvernance de l'Internet français embarque finalement tout le monde et notamment en France tous les territoires et qu'on s'en arrive à sortir du fait du prisme un peu usuel de nos organisations, qu'on arrive à sortir de Paris pour permettre aussi d'avoir une interaction avec un certain nombre de régions et qu'on puisse avoir une vraie interaction, une vraie remontée avec les territoires. Donc, ce qu'on va faire cette année et qui est assez inédit par rapport aux années précédentes, c'est l'organisation de hubs régionaux et notamment un hub en Outre-mer, puisqu'en fait, on sait bien qu'en fonction des territoires, on va avoir un certain nombre de problématiques qui vont différer. La deuxième réflexion qu'on a eue, c'était pas tant de revenir sur la crise sanitaire, certes qui nous a impacté, qui va sûrement revenir dans les débats, etc., mais c'était vraiment de questionner l'enjeu macro peut-être de la gouvernance aujourd'hui, et c'était quoi le défi de l'Internet pour demain. Et au cœur de ce défi-là est notamment apparu le sujet environnemental.
qui est discuté aujourd'hui au niveau de l'ONU, qui est discuté au niveau de l'OCDE, qui est discuté en Europe, enfin au sein de l'Union européenne, au travers du Green New Deal. Et donc, on a décidé de dédier notamment un pan de cette journée à la réflexion de cette interaction entre transition numérique et transition écologique et de sortir un petit peu des débats nerveux et un peu en surface qu'on a aujourd'hui sur le sujet, justement, de cette confrontation entre ces deux transitions-là. Un autre pan qui nous est tenu à cœur a été la question des autres générations, des nouvelles générations, notamment des jeunes, et comment on pouvait notamment les intégrer de manière non anecdotique, c'est-à-dire dans une question à la fin ou dans une présentation à part, mais en faire vraiment des intervenants à part entière, et parce qu'on estime qu'il y a vraiment une contribution utile à tirer dans cette réflexion-là. Et donc, le format qui sera proposé aussi a vocation à donner toute sa place des jeunes générations et notamment des jeunes pas nécessairement issus de nos métiers, etc. Puisqu'en fait, Stéphane l'évoquait tout à l'heure, hein, mais il y a un enjeu aussi de rattacher l'utilisateur à ces enjeux de gouvernance. Comment on a construit ce programme? On l'a aussi construit par un recensement sur Internet et un appel à la contribution qui a été porté par Lucien. Et je vais laisser Lucien présenter un peu le retour de l'enquête qu'on a faite auprès de finalement des internautes pour savoir aussi quels étaient selon eux les enjeux aujourd'hui qui méritaient discussion et débat dans le cadre de cette journée sur la gouvernance de l'Internet en France. Merci Jennifer pour ces éléments de présentation. Alors, en effet, nous avons lancé une enquête qui a été largement diffusée sur Internet et qui a donné lieu à une cinquantaine de réponses par le biais du formulaire en ligne et on va dire une vingtaine de réponses informelles qui ont été données à l'oral ou par d'autres biais, certains ne voulant, semble-t-il, pas utiliser le dit formulaire. Alors, en reprenant un petit peu l'enquête très, très rapidement, on voit une forte participation du monde académique, avec à peu près 20% des réponses. On tombe ensuite à peu près à 16% pour le secteur privé et à un peu moins de 15% pour à la fois les institutions publiques et la société civile. C'est aussi intéressant de noter, et je fais un clin d'œil à Nicolas et à Sébastien, que quasi 15% également des répondants se sont identifiés comme utilisateurs d'Internet, en précisant parfois qu'il travaillait pour tel ou tel ministère, mais que la réponse était celle d'un utilisateur. Donc, c'est tout à fait notable. Alors, la communauté technique est moins représentée dans la réponse, mais un certain nombre de personnes ont répondu, on va dire, oralement ou par d'autres biais, notamment un certain d'entre nous, moi-même et d'autres. Alors, pour ce qui est des réponses, alors, comme l'a dit Jennifer, on n'a pas vocation ici à étaler l'intégralité de l'enquête, on fera un rapide compte-rendu de cette enquête. L'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant les sujets forces et les idées forces qui sont sorties de l'enquête et de les discuter avec les présents ici. Et les points principaux, alors tout d'abord, c'est la question bien sûr de l'environnement et du développement durable qui est ressortie dans à peu près la moitié des réponses sous différentes formes. La nécessité de considérer l'Internet à l'aune de son coût environnemental, la nécessité d'avoir quelque part une forme d'économie du numérique, de considération de l'innovation qui prendrait en compte le développement durable de manière beaucoup plus saillante, d'associer même dans les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'Internet la question écologique, et à l'aune de la crise donc de la Covid, eh bien, cette question est apparue tout à fait centrale. La deuxième thématique qui est ressortie, c'est la question, et je pense que ça ne surprendra personne, c'est la question de la souveraineté numérique. À l'aune des outils qui sont utilisés, Nicolas tout à l'heure citait Zoom, de nombreux autres outils ont pu être questionnés, et la question de l'indépendance, de la souveraineté, des questions géopolitiques qui touchent à Internet, la,
la question des réseaux et bien entendu de la souveraineté sur de tels réseaux, pour faire également un référence aux propos tout à l'heure de Stéphane, la nécessité de pouvoir parfois passer en local pour des échanges qui sont locaux et non pas de passer par 3, 4, 5 points intermédiaires qui sont de par le monde. C'est une question qui est également ressortie avec une force particulière. Et ensuite, la question des formats. D'une part, nous posions dans l'enquête la question de savoir comment aborder la crise Covid-19. Et une majorité de répondants ne veulent pas une session dédiée qui aborderait la question ou une thématique entière sur cette question, mais plutôt d'aborder en quoi potentiellement, à travers chaque section, à travers chaque atelier, chaque plénière, potentiellement, si la question, et seulement si la question est pertinente, de l'aborder, de voir dans quelle mesure éventuellement l'impact a pu se faire jour. Ensuite, c'est la question du format, c'est-à-dire d'avoir un format dynamique, d'avoir un format qui permette la participation, et non pas une succession de conférences qui seraient peut-être, pour ceux qui suivent de telles conférences depuis plusieurs mois, aboutirait à une fatigue des utilisateurs. Et donc, une forme de dynamisme qui est ressortie, une forme d'innovation dans les formats, et ce qui est tout à fait intéressant, puisque c'est justement, avec Jennifer, Nicolas et les autres membres du comité d'organisation, un sujet qui nous tenait à cœur. Donc, voilà pour les principaux points. Je conclurai simplement en disant qu'il y a eu de très bons retours sur le fait d'avoir une couverture des territoires, c'est-à-dire vraiment de ne pas être le FGI Paris, mais le FGI France, c'est-à-dire d'avoir des hubs dans un certain nombre de villes, d'avoir une participation à distance qui est une vraie participation et non pas simplement un streaming qui rend l'utilisateur passif, et donc d'avoir quelque part le territoire qui est réinclus dans le FGI au niveau donc à la fois national et bien sûr global. Voilà, je te redonne la parole, Jennifer. Merci. Alors, il y a déjà une question dans le chat et j'avoue que mon côté néophyte, à certains moments dans cette communauté-là, je ne sais pas ce qu'est la communauté du fait divers. Donc, si dans nos membres du comité d'organisation, vous êtes en mesure de m'épauler pour cette réponse-là, puisque quelqu'un demande si on peut faire ce dispositif-là en cohérence avec la communauté du fait divers. Donc, Stéphane, je te laisse la parole. Tu as ton micro, je pense qu'on ne t'entend pas. Lucien, est-ce que c'est possible de donner la parole à Stéphane ? Ou à Ijat, qui peut aussi expliquer ce qu'est la communauté pour ma culture générale ? Alors, normalement, chaque intervenant peut prendre la parole directement en activant son micro. Alors, promis, Ijat, dès qu'on a réglé le problème, soit de votre prise de parole, soit de la prise de parole de Stéphane, on répond à cette question. Peut-être dans les grandes lignes, justement, et suite à ce que disait Lucien, on a établi 6 principaux thèmes qui seront portés, animés par les organisations, associations, instances qui s'investissent dans la journée. Et l'occasion de cette présentation, c'est aussi de faire un appel à contributeurs, puisque nous sommes en train de la construire, hein, cette journée. Ah, je crois que Stéphane a le micro vert maintenant. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez cette fois ? C'est bien, oui. Bon, voilà, la solution à tous les problèmes, c'est de redémarrer. Bon, en l'occurrence, non, j'ai juste rechargé la page, ça a suffi. Oui, donc le fait divers, c'est un mot qui n'est pas très répandu. Ça désigne en gros l'ensemble des instances qui communiquent en utilisant le protocole ActivityPub, qui est une norme, on parlait des normes tout à l'heure, donc c'est un bon exemple. ActivityPub est une norme du W3C qui normalise en gros
un protocole d'interaction type réseau social, où on peut envoyer des messages, suivre quelqu'un, arrêter de le suivre, liker, aimer un message, ce genre de choses. C'est un protocole relativement récent qui a été fait en partie pour fournir une alternative aux réseaux sociaux centralisés. Parce que le point important du fait divers, c'est que il n'y a pas eu, c'est un logiciel, c'est pas un service. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs services gérés par des gens différents et qui communiquent néanmoins entre eux en utilisant le protocole ActivityPub. Donc ça fait beaucoup de monde. C'est pas un groupe organisé, c'est juste des gens qui utilisent le même système de communication. Donc, il n'y a pas plus de communauté fait divers qu'il y aurait une communauté Facebook ou une communauté Twitter. C'est des gens différents. Ça fait partie des utilisateurs de l'Internet, je dirais, plus sensibilisés que les autres aux problèmes politiques liés à Internet. Mais c'est des gens, c'est très dispersé. C'est pas, je crois que tout le monde le sait ici, que c'est pas. Tout le monde dit que c'est important d'impliquer les utilisateurs dans la gouvernance de l'Internet, et en même temps, tout le monde sait que c'est très difficile, fait divers ou pas fait divers. Ouais, je pense que ce sera un beau débat lors du 27 octobre, hein, puisque sans préempter finalement l'étape d'après qui est l'annonce du programme, mais on aura une table ronde qui sera dédiée au sujet justement des expériences de gouvernance de l'Internet, et il y aurait une vraie réflexion, notamment qu'on peut porter du côté de Renaissance Numérique, mais je ne suis pas là pour parler de Renaissance Numérique, mais sur comment on dépasse l'enjeu de l'intégration des utilisateurs, comment on dépasse la question des utilisateurs professionnels, et comment aussi on sensibilise l'utilisateur lambda dans ses enjeux de gouvernance et de régulation. Mais ça, c'est une parenthèse fermée. Et comme il me reste, avec Sébastien et Lucien, que 5 petites minutes, moi j'ai parlé, Lucien a parlé, donc... Sébastien, si tu veux présenter l'ensemble des thèmes, je te laisse la parole. Sinon, on peut garder la répartition qu'on s'était faite. Je crois que c'est Sébastien. Alors, je vais mettre. Vous voyez que je ne suis pas totalement sorti du confinement, donc ne soyez pas trop effrayés. On a dégagé 6 thèmes, mais je pense que c'est bien qu'on les fasse. Chacun les uns à la suite des autres. Jennifer, non. Tu voulais commencer, vas-y, fais le premier. Je pense que c'est par rapport à ce qu'a fait remonter Lucien dans le cadre de la consultation, on a vu qu'il y avait quand même un sujet qui était transverse et auquel on n'échappait pas depuis déjà un certain nombre d'années, mais qui a pris une importance aussi nouvelle cette année en 2020, qui est le sujet de la souveraineté numérique. Donc là, on aurait exceptionnellement une plénière internationale sur ce sujet-là, et qui sûrement trouvera aussi quelques petites déclinaisons dans les différents ateliers. L'autre enjeu aussi qu'on a voulu aborder et qu'on a aussi distingué des ateliers, c'est le sujet de la régulation numérique, où on a vu... on est aussi dans une année avec des contextes assez marquants en la matière, avec une décision, notamment en France, le 18 juin, sur une proposition de loi qui avait vocation à réguler une partie de certains enjeux de l'Internet, notamment sur le sujet de la modération des contenus, qui s'est fait retoquer par le Conseil constitutionnel, un certain nombre de débats aussi au niveau européen, et des autorités de régulation qui sont en train de se transformer dans tout ça et qui du coup sont en train de revoir aussi leurs modalités de régulation, et la vocation étant d'interagir avec ces autorités-là. Maintenant, sur les ateliers. Je ne vais pas revenir, le premier atelier il est sur le sujet de la transition numérique, de la transition environnementale. Je ne vais pas revenir, je l'ai un peu abordé. Notre enjeu et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est vraiment de sortir un peu des incantations sur ce sujet-là et de vraiment avancer sur avec des données tangibles et de savoir un peu de quoi on parle concrètement quand on parle de coûts énergétiques, quand on parle aussi de solutions numériques pour ce défi écologique et qu'on questionne vraiment sérieusement cette question-là et qu'on le voit, hein, qui commence à susciter un certain nombre de polarisations dans le débat public et qu'on a estimé nécessaire de mettre à plat au vu de la diversité aussi des acteurs qui s'engagent dans cette journée-là. Le deuxième atelier, c'est pour toi, Sébastien. Oui, merci. Pour faire une transition, je voulais juste dire que le mieux, plus,
plutôt que le plus ou le mieux plutôt que le moins est une des questions sur l'histoire de la transition numérique avec les discussions qui viennent d'avoir lieu avec ce qu'a publié le Conseil national du numérique. Mais l'autre élément qui est en même temps très lié à la situation et à la communication du nouveau gouvernement qui n'arrête pas de nous parler de territoire, c'était même avant que nous avions mis ça en avant. Il nous semble très important pour sortir de la crise du Covid-19, c'est de voir quelles étaient les difficultés qu'on a pu rencontrer autour de l'aménagement du numérique du territoire, les questions de bassin d'emploi avec et sur le numérique, et puis comment est-ce qu'on peut imaginer les usages. Avec une des questions qui est importante, qui est celle de savoir si comment est-ce qu'on sort de cette discussion ? Et donc, il est très important d'essayer de discuter ces éléments-là dans le cadre des territoires. Et je crois que je passe la parole à Lucien pour nous parler de l'atelier numéro 3. Tout à fait. Merci Sébastien. Alors, pour rebondir justement sur la question des territoires, ce qui a été tout à fait prégnant dans la crise et ce qu'on a pu voir avec force, ce sont des nouvelles fragilités numériques, c'est-à-dire à la fois des problèmes d'accès à l'équipement, la manière dont ces équipements fonctionnent, être en mesure de les utiliser correctement, et quelque part des enjeux de littératie, des nouvelles formes d'électronisme, c'est-à-dire la nécessité de former des acteurs à de nouveaux usages en ligne qui se développent, un nouveau rapport au service public, un nouveau rapport à l'enseignement, et cela pose un certain nombre de questions, notamment en matière de cybersécurité ou en matière de liberté publique. Voilà. Et je pense que c'est encore à toi, Lucien, pour le quatrième thème. Décidément. Territoire, effectivement, nouvelle fragilité numérique. La quatrième thématique que nous avons mise en avant, ce sont les technologies d'Internet et la résilience de telles technologies. Donc, ça fait parfaitement écho à la première partie donc, de cet atelier où Stéphane, justement, et Robin nous présentaient un certain nombre de standards, un certain nombre de questions et d'enjeux forts de l'Internet. Et là, c'est la question de la résilience des infrastructures, du réseau. C'était tout à fait intéressant à constater pendant la crise, ne serait-ce que la peur d'un blackout d'Internet. Et la controverse autour d'un certain nombre de nouvelles technologies, pour n'en citer que deux débats en cours, par exemple les débats qui entourent la 5G, notamment à l'aune de la question environnementale, mais en termes de déploiement, en termes de technologie, en termes de cybersécurité, et tout ce qui va en tourner ce qu'on appelle communément New IP, c'est-à-dire l'évolution d'Internet. Sébastien. Et je crois que je vais prendre la suite avec... La question autour de la gouvernance de l'Internet et par l'Internet, on voit bien que les discussions sur les sujets précédents, il faut qu'on sache comment est-ce qu'on va, nous, utilisateurs finaux individuels, entreprises utilisatrices, fournisseurs de technologies, pouvoir public, régulateurs, on va essayer de faire fonctionner ce système en acceptant d'avoir la voix des uns et des autres. Donc, on a une forte expérience dans la discussion autour de la gouvernance de l'Internet, mais il serait intéressant d'essayer de voir comment ça se passe ailleurs et comment est-ce qu'on peut d'utiliser les expériences des uns et des autres pour essayer de faire évoluer les choses. La question de la gouvernance de l'eau, la question de la gouvernance de l'espace, etc., qui est important. Et je voudrais insister sur le fait que c'est un atelier essentiel parce que le risque qu'on a dans la présentation du programme, et c'était le cas depuis 3 ans, c'est est-ce que le multi-acteur ne va pas se dissoudre dans la régulation ? Et j'espère que non, mais nous en discuterons. Merci Jennifer. Merci à toi Sébastien. Et le dernier thème porte sur la cybersécurité dans un contexte où l'Internet se fragmente de manière géopolitique. Et donc, l'idée étant d'interroger sur ces nouveaux enjeux de sécurité dans l'espace en ligne. Évidemment, on tirera aussi des enseignements des précédentes discussions. Et puis aussi de s'interroger un peu sur la place de l'Europe dans tout ça. Il est 33, je m'étais engagée à tenir jusqu'à 30. Donc, on dépasse un petit peu.
De manière générale, ça, c'est, enfin, la volonté qu'on a eue, c'est vraiment de partir de cette consultation-là. Alors moi, je vais devoir m'échapper. Il peut y avoir encore un temps de discussion et je suis navrée de devoir partir. Mais par contre, ce que je peux proposer aussi au comité d'organisation, c'est que maintenant qu'on a mis à plat six grands thèmes, et avec quelques angles pour les problématiser un peu, il serait intéressant de les soumettre encore une fois à consultation, à réaction, puisque de toute façon, on se donne jusqu'à la fin de l'été pour finaliser définitivement, enfin finaliser donc, le programme. Et donc, bon, il va y avoir là une discussion, et moi, je dois m'échapper, mais je pense qu'il serait intéressant encore de le nourrir et de faire réagir les acteurs qui n'auraient pas encore pu... le faire soit en ne pouvant pas participer ce soir, soit en voulant encore se poser sur les sujets avant de confirmer ces différents points. Juste le message de cette année, hein, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire du multi-partie prenante de manière tangible et pas que institutionnalisée. Et donc, on va fortement s'y attacher, notamment avec Lucien et Nicolas et toute l'équipe. Donc, merci à tous et je m'échappe, mais c'était un plaisir. Au revoir. Merci, merci Jennifer. Alors, est-ce qu'on prend maintenant les questions ou les réflexions des personnes qui souhaitent nous les soumettre dans la salle ? Moi, juste, Lucien, j'ai reçu une réaction en direct par un canal de messagerie instantanée qui dit que ce serait bien que nous abordions les sujets liés au ransomware et au cybercrime. Alors ça, sur toute la partie cybercriminalité, je pense, sera abordé ou pourrait être abordé, notamment à l'aune de la sixième thématique sur la cybersécurité, puisqu'il y avait une question à discuter sur ce point-là. Ensuite, comme l'a dit Jennifer, l'idée qu'avait le comité d'organisation, c'est donc, après la première partie de consultation, d'avoir en fait un retour sur les éléments de programme pour que chacun puisse réagir et nous donner un certain nombre d'idées supplémentaires potentiellement à intégrer au programme et à réfléchir. Voilà. Est-ce que d'autres ont des réflexions ? N'hésitez pas à prendre la parole et si vous n'arrivez pas à activer votre micro, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Je vais en profiter pendant qu'il y a un petit blanc, Sébastien. Ce qui est important, c'est deux choses. La première, c'est une participation large de l'ensemble des acteurs. Et la deuxième, c'est que malheureusement, dans une journée, on ne peut pas aborder tous les thèmes et choisir, c'est renoncer. Et oui, on pourrait augmenter, rajouter, mettre d'autres sujets. Alors, il y en a certains qui rentrent bien dans les thématiques ou qui rentreront dans les thématiques qui seront choisies. Il y en a d'autres où malheureusement, on ne peut pas le faire, mais... c'est compliqué de faire un forum de gouvernance de l'Internet à Paris sur plusieurs jours. L'autre élément qui est important de bien voir, c'est que ce sera juste avant le forum mondial. Et donc, une des idées sur notre travail, c'est comme l'année dernière, c'est de pouvoir transférer des messages du forum pas de Paris, mais de France, au Forum mondial pour que les travaux qui ont été menés ici soient apportés au niveau mondial et qu'on fasse du bas en haut et pas seulement du haut vers le bas. Merci. Merci, merci Sébastien. Je vois une question sur le chat. Alors, j'imagine que vous parlez de l'IGF 2020, c'est-à-dire de ce qui était prévu au démarrage comme étant l'IGF Katowice, qui devient donc un IGF virtuel. Alors, comme l'a très bien dit Sébastien, qui a anticipé, si j'ose dire, la question, l'idée, c'est d'avoir quelque part des livrables, d'avoir des propositions du FGI France qui sont portées au FGI Monde
Et effectivement, le FGI Monde, de par sa nature à distance, permettra une participation, peut-être également, c'est en cours de discussion, notamment au sein du comité d'organisation, sous la forme d'un certain nombre de hubs qui permettront une participation accrue de la communauté française et francophone. Et effectivement, dans ce cadre-là, on pourra porter un certain nombre d'idées, un certain nombre de propositions déjà discutées au sein du FGI France. On attend simplement de voir dans quelle mesure sera organisé le FGI Monde, puisque c'est encore en discussion à la fois au niveau du secrétaire général de l'ONU et du MAG qui gère donc l'IGF au niveau international. Ensuite, sur les IGF suivants, alors j'ai mis ça tout à l'heure dans le chat, mais grosso modo, la Pologne organiserait à Katowice en 2021 l'IGF en suivant cet IGF 2020 à distance. Puis ensuite, on aurait un IGF 2022 en Éthiopie et 2023 au Japon. Et l'idée est d'avoir une continuité. Et là, en l'occurrence, on sort de l'Europe, ce qui est tout à fait intéressant, puisque ça faisait un certain temps, depuis Paris, depuis Berlin, depuis Genève, qu'on était sur un territoire au sens large européen. Alors, Nicolas, est-ce que tu as d'autres réactions de la salle ou des réactions par ailleurs? Non, il n'y a pas eu pas d'autres réactions de mon côté. Alors, je viens de voir, là encore sur le chat, une question à propos de la langue. Alors, pour le FGI France, je pense que vous faites peut-être référence aux propos de Jennifer en introduction tout à l'heure. La langue sera bien entendu le français. Et comme lors de l'IGF France 2019, selon les intervenants, potentiellement, une traduction simultanée pourrait être envisagé, c'est pas encore le cas en l'espèce, ça va dépendre des intervenants qui seront notamment présents lors de la plénière à vocation internationale. Ensuite, pour le remote, alors pour ce qui est des outils, on est en réflexion également. Peut-être Nicolas, voudrais-tu réagir sur les types d'outils que l'on envisage? Mais alors, en un mot, l'idée, c'est vraiment que chaque hub puisse avoir vraiment une présence forte au FGI, ne soit pas mis de côté par rapport à la scène parisienne, et qu'un utilisateur qui se connecte depuis chez lui ne soit pas simplement passif, mais puisse participer. Comme le disait Sébastien tout à l'heure, c'est vraiment faire remonter la voix de l'utilisateur et de chacune des parties prenantes. Et pour ce faire, à la fois les hubs sont un moyen d'avoir dans certaines villes, Outre-mer, etc., un certain nombre de moyens mis en place, mais aussi chacun depuis chez lui, comme on l'a fait ce soir, pour se connecter, pour intervenir directement au FGI. Pour les outils, c'est en réflexion. Est-ce que Nicolas, tu as des points à ajouter sur ce sujet? Non, c'est prématuré. En fait, les réflexions sont en cours sur ce sujet-là. L'idée, c'est quand même de... C'est clairement de faire une session qui soit une édition du FGI France qui soit beaucoup plus connectée et beaucoup plus interactive à distance que les autres. Il ne s'agit pas de faire une édition en full remote. Donc, ce sera, on va avoir une réflexion. Sans doute que certains thèmes seront disponibles sur Internet et pour d'autres, il faudra venir sur place. Parce que si on fait un événement uniquement en ligne, dans ce cas-là, il ne se passera plus du tout quelque chose sur place. Alors que il y a quand même une demande que l'on puisse se voir et que ça puisse donc avoir lieu physiquement. Voilà. Donc, en tout cas, les outils sont en réflexion.
Mais l'idée, c'est qu'il y ait plus de, d'interactions qu'auparavant. Voilà. Alors, je vois sur le chat une question sur la francophonie ainsi que sur le village, par référence au FGI Monde. Alors, sur la francophonie, est-ce que Sébastien ou Nicolas, vous voulez dire deux mots ? Sur le village, on aura une forme de village avec des stands, comme l'année dernière, qui est en cours d'organisation. Sur la francophonie, je veux bien dire deux mots. Je pense que, en particulier ceux qui sont dans le même fuseau horaire, puisque c'est une des grandes difficultés des réunions globales, c'est qu'en fonction du lieu, de la virtualité, on est ou on n'est pas dans les mêmes fuseaux horaires. C'est qu'au moins toute l'Afrique francophone peut être concernée. Mais si on fait ça, il faut aussi bien avoir en tête que chaque fois qu'ils nous invitent, nous, à participer à leurs événements, il faudrait que nous y soyons aussi, pour qu'il y ait une certaine réciprocité. Donc, je vous invite à participer à tous les événements de l'Afrique francophone qui sont organisés en ce moment autour du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Alors, je vois également une réaction sur le lieu. Alors, effectivement, depuis plusieurs années, nous étions accueillis par l'Université Paris-Descartes, rue des Saints-Pères. Alors, je peux simplement vous répondre que c'est en cours, là encore, d'organisation, car dû à la crise, il y a une difficulté en termes de visibilité sur l'organisation à ces dates-là. C'est en cours de réflexion. Mais pour revenir sur ce que disait Nicolas, on va organiser vraiment un événement qui tire profit de la présence physique et de la présence en ligne pour essayer vraiment d'avoir les deux imbriqués, une capacité des utilisateurs à interagir, de tirer profit de l'expérience d'un forum comme Rodig et bien entendu de la préparation du FGI Monde ou des ICANN qui se sont tenus sur cette année 2020 également à distance. Alors, je vois Didier, et n'hésite pas à intervenir directement, bien entendu, à l'oral. Oui, j'ai posé la question du lieu, effectivement, parce que c'est une question importante pour la suite. Moi, ce qui me frappe dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est finalement, je parle pour ma paroisse évidemment, c'est finalement l'absence de droit dans toutes les questions qu'on a évoquées, sauf peut-être la toute dernière avec la cybersécurité, mais on parle surtout de criminalité et de droit pénal. Mais pour le reste, le droit est notoirement absent. Ça me paraît un sujet de réflexion important pour nous, incontestablement. Je vois que le débat est fécond sur les outils numériques à utiliser sur le chat, entre BBB, Jitsi, Zoom et d'autres outils. Alors, sur le droit, alors l'idée, c'est vraiment d'en parler à travers les ateliers, un peu comme de la COVID et d'autres thématiques à travers, en fin de compte, la question des transitions, la question des territoires, la question des fragilités et bien sûr la manière de réguler dans différents cas. Par ailleurs, on a, comme l'a présenté Jennifer tout à l'heure, la volonté d'aborder le droit aussi à travers le prisme de la régulation. Comment réguler demain ? À travers un dialogue avec notamment des autorités de régulation. Et on voit avec les dernières décisions qui ont pu être rendues ces derniers jours, au niveau notamment de l'Union européenne, si vous voyez à quoi je fais référence, que la question est tout à fait centrale.
Alors Nicolas, est-ce que tu as d'autres questions sur le chat ou ailleurs, ou est-ce que tu veux clore cette session? Bah, écoute, non, pas d'autres questions, mais je crois qu'on a atteint le temps qu'on s'était fixé. Bon, j'ai fait une petite blague sur le chat, alors j'espère que vous n'avez pas cru. En tout cas, je voulais vous remercier tous et toutes de votre présence. Je remercie aussi tous les membres du comité d'organisation qui étaient largement représentés aujourd'hui, et vous dire que on attend aussi des forces vives au sein du forum sur la gouvernance de l'Internet France. Donc, si vous avez des envies de contribuer sur des sujets, voilà, on est très très ouvert, et n'hésitez pas à proposer des choses. Mettons aussi l'été à profit pour ça. On espère qu'il n'y aura pas de nouvelles surprises sanitaires qui nous causeraient des contraintes. On s'est positionné fin octobre. On s'est positionné aussi fin octobre pour être entre plusieurs événements internationaux, parce que vous êtes un certain nombre à participer à plusieurs événements internationaux. Et donc, c'est important que le FGI France, on essaye toujours de faire en sorte que le FGI France s'intercale entre les événements internationaux pour qu'ils puissent nourrir les événements. Et je crois qu'il y a eu une grande réussite l'année dernière, puisque nous avons fait le FGI France en juillet. Et ensuite, en novembre, nous sommes allés, une délégation du comité d'organisation à Berlin, au Forum sur la gouvernance de l'Internet au monde, à l'IGF, pour vous permettre de porter les messages qui avaient été établis. Donc, toutes les tables rondes, tous les ateliers qui ont lieu au FGI France, nous avons demandé qu'il y ait entre 5 et 10 propositions concrètes qui soient faites. Et nous sommes allés porter. Donc, il y a un document qui est toujours disponible sur le site internet igf-france.fr. Vous avez le résultat de toutes ces propositions, et on est allé les porter à Berlin. Et je pense aussi que c'est important que les IGF nationaux puissent créer quelque chose. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on peut aussi bien manger et bien boire le midi. C'est aussi un lieu où on produit quelque chose, où on peut amener quelque chose à la communauté internationale. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est de venir adhérer, suivez tout ce qui est fait à l'Internet Society, ce qui est fait à Renaissance Numérique, ce qui est fait au sein de la FNIC, au sein du Conseil National du Numérique, bien sûr, je vais en oublier, ce qui est fait par l'ARCEP, tout le monde. Enfin, voilà, tous les membres du comité d'organisation produisent des choses, et vous pouvez vous impliquer. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte justement qu'on ne soit pas que des spécialistes de la gouvernance de l'Internet qui parlent à d'autres spécialistes de la gouvernance de l'Internet, qui parlent pendant des heures et des heures en s'écoutant et en étant d'accord entre eux. Mais c'est important qu'il y ait des nouvelles idées et qu'il y ait aussi des nouvelles personnes qui n'hésitent pas à s'impliquer. Et donc venez, vous avez vu le début de cet échange, Stéphane Bartleyer a été d'une clarté totale sur la façon dont on établissait les standards d'Internet. Et voilà, vous voyez qu'on essaie de rendre tout ça accessible. Et du coup, n'hésitez pas à venir contribuer et à faire en sorte que grâce à vos questions, grâce à l'ouverture d'esprit, tout cela devienne réellement accessible. Donc, merci à tous nos intervenants. Merci à Jennifer qui a co-animé. Et puis, on vous donne rendez-vous donc, sur le site igf-france.fr pour vous permettre de vous inscrire à la session du 27 octobre qui sera précédée le 26 octobre par la journée du Conseil scientifique de l'Afrique. Merci à tous, je vous souhaite un bel été, merci à tous les intervenants. Merci à tous, à bientôt.